tous heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, déjà le 24 août 2023, 11h37, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui se joignent à moi, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci aussi à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. Pendant qu'on vit une distraction énorme, pendant que les environnementalistes sont disparus de l'image, tu les entends plus, les environnementalistes, c'est juste devenu maintenant des espèces de porte-parole du Forum économique mondial et de l'élite qui veut nous dépouiller de nos voitures à essence au nom de l'urgence climatique et à cause des émanations de CO2. Ces gens-là étaient vraiment sérieux et étaient vraiment préoccupés par le CO2. Je veux dire une chose, hey, l'armée américaine, selon un site, puis tu peux aller faire plein de recherches, là, Union of Concerned Scientists, OK? L'armée américaine est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde. Chaque année, nos forces armées consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions, les opérations au sol, etc., etc. Ça, c'est l'armée américaine seulement, 100 millions de barils. Pense à l'armée chinoise, pakistanaise, israélienne, française, canadienne. Tous les pays russes, tous les pays ont des armées, puis tous les pays font rouler tous les moteurs de tout leur engin militaire, quel qu'il soit, 24 heures sur 24. Penses-tu vraiment que CO2, c'est une préoccupation pour l'élite? Ou si c'est parce qu'on veut te dépouiller du seul objet qui te donne une liberté de mouvement, c'est-à-dire ta voiture à essence? Parce que les voitures électriques, c'est inabordable, puis les prix n'ont pas baissé, puis l'efficacité est vraiment minimale. Puis ça ne s'est pas amélioré, puis ça ne s'améliorera pas. La voiture électrique a atteint son maximum. Mais ça, ça démontre à quel point ces gens-là ne sont pas sérieux. Tu n'entends jamais l'élite, Greta Thunberg, John Kerry, Al Gore, démoniser. Moi, j'aimerais ça qu'Al Gore, au lieu de nous faire un film d'Inconvenient Truth qui a donné absolument rien, sauf l'enrichir, puis d'endoctriner des générations avec des prédictions qui ne sont jamais réalisées, puis il n'a jamais été repris, puis on ne lui a jamais demandé de s'expliquer, puis de s'excuser. Tout le monde veut sauver la planète, là, mais la planète, en tout cas, elle n'a vraiment pas besoin d'être sauvée. C'est l'humain qui a besoin d'être sauvé. La misère est là, l'exploitation est là, partout, ce que tu peux imaginer, en passant par les grandes religions organisées, par les gouvernements, par les tsars, les généraux qui se sont succédés au fil de l'histoire, qui a besoin d'être sauvé? C'est pas les grenouilles blanches, les grenouilles rouges, les grenouilles vertes, c'est l'humain. Personne s'en occupe jamais. Puis encore aujourd'hui, l'élite a lancé le monde dans une distraction. Sauvons la planète. On va dire une chose, la planète est là depuis 4 milliards d'années, elle n'a vu avant tout, puis moins, bien des affaires, OK? Des renversements de pôles, des minéages de glace, des réchauffements catastrophiques, de l'acide sulfurique tellement qu'il n'y avait plus de vie, la vie est revenue, des tremblements de terre, des tsunamis, des météorites, des astéroïdes, des tremblements de terre. La planète n'a pas besoin de nous autres. La planète est là et a un système d'auto-nettoyage hallucinant. C'est nous autres qui avons besoin de leaders qui ont de la décence et de la moralité. Mais tu ne peux pas trouver ça. On n'a pas trouvé encore. Il y en avait un, puis ils l'ont crucifié il y a longtemps. Puis il n'y en a pas eu d'autre. Puis ce qu'on a fait de son message, c'est vraiment honteux. C'est pas ça qu'il voulait. Une église catholique qui vaut des trilliards de coins trilliards de dollars, qui est emmêlée depuis des décennies dans des scandales financiers de pédophilie. Puis maintenant, tu as un pape communiste, François, à qui a nommé des communistes partout dans l'église catholique. Puis ces gens-là font rien sauf venir te démoniser, puis venir te donner des leçons de moralité aussi en répétant le même message que le Forum économique mondial, que Davos, puis que les Nations unies, puis qui se lancent dans l'hystérologie du climat. Regarde, peu importe ce qui va se passer, ça va se passer, OK? Mais pendant ce temps-là, tout ce monde-là se soucie d'absolument rien. Comme par exemple, là, on a des déchets radioactifs, puis j'ai pas entendu Greta Thunberg s'arracher des cheveux là-dessus. Pendant qu'elle se promène, elle en jet privé pour venir donner des leçons de moralité au monde, puis John Kerry, puis toutes les autres. Savais-tu qu'un seul voyage aller-retour, par exemple, Suède, New York, ça émet plus de CO2 que toi, toute ta vie avec ta voiture?
Penses-tu vraiment que ces gens-là sont préoccupés par ça? Le Japon a annoncé son intention de rejeter les déchets de la catastrophe nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique dès aujourd'hui. Ils veulent te dire, les autorités, ben non, il n'y a rien, là, c'est rien. Soyez rassurés, il n'y a pas... Un expert a mis en garde le Daily Star contre de possibles conséquences inquiétantes. De nouveaux projets visant à déverser les déchets de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l'océan Pacifique pourraient créer des animaux mutants, a laissé entendre un expert. S'il y a des animaux qui vont muter, puis il y en a eu plein qui ont muté, que ce soit avec Tchernobyl ou ça, ou d'autres désastres nucléaires, ben les conséquences pour l'humain, moi je ne sais pas, mais ils ne sont pas invisibles non plus. Tokyo Electric Power Company Holding TEPCO, cette fameuse entreprise qui s'apprête à commencer à déverser dans le Pacifique aujourd'hui, jeudi 24 août, les eaux usées, traitées et diluées provenant de la catastrophe de 2011, après que le premier ministre japonais Fumio Kishida leur a donné le feu vert au début de semaine. Ah, ça c'est le nouveau premier ministre qui a remplacé celui qui a été assassiné. Hein? Je me demande bien, c'était bizarre son assassinat. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. La décision a été controversée, beaucoup plus inquiétant des effets incalculables que les eaux usées pourraient avoir sur la vie marine et sur ceux d'entre nous qui aimons les fruits de mer. Le professeur Timothy Mousseau étudie les effets de la catastrophe nucléaire depuis 12 ans et a déclaré que les scientifiques ne pouvaient pas exclure des mutations inquiétantes chez les animaux si les plantes se réalisent grâce à un produit chimique radioactif peu étudié appelé le tritium. Le tritium est de l'hydrogène radioactif, il se combine avec l'oxygène pour former de l'eau radioactive, nous a expliqué Mousseau. En laboratoire, avec des niveaux de tritium beaucoup plus élevés, nous constatons des dommages génétiques, des effets sur la reproduction, des effets sur le développement et des effets sur la longévité. Il existe donc certainement un potentiel pour tous ces effets négatifs, y compris les mutations génétiques. Ce que cela signifie et quels seront les impacts à long terme, nous n'en avons aucune idée. Mais le potentiel est là. Jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose sur le tritium grâce à des recherches limitées. Il est donc difficile de savoir si nous pouvons nous attendre à un poisson à trois yeux, rappelant le poisson à trois yeux des Simpsons Blinky, ou à quelque chose d'encore plus sinistre. Mais Mousseau a déclaré qu'il y avait des indications préliminaires qu'il pourrait être tout aussi dangereux que d'autres produits chimiques radioactifs plus connus aussi provoquent des maladies. Les eaux usées que le Japon prévoit de rejeter dans l'océan ont été traitées, mais Mousseau a déclaré avec inquiétude que le tritium était notoirement difficile à éliminer. Le tritium n'est en aucun cas retiré de ce processus de traitement, a-t-il prévenu. Cela échappe au processus de traitement mis en place car il s'agit essentiellement d'eau. La catastrophe de Fukushima a secoué le monde en mars 2011, après que le tremblement de terre et le tsunami ont frappé la centrale par des vagues de 13 à 14 mètres. La catastrophe qui en a ensuite résulté a été le pire accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1985. La décision controversée du gouvernement japonais cette semaine constitue une première étape vers la fermeture définitive de l'usine et cela pourrait prendre des années. Le gouvernement assumera ses responsabilités. Je ne suis même pas capable de finir ce paragraphe. Le gouvernement assumera ses responsabilités jusqu'à ce que l'élimination de l'eau traitée par les Alpes et le système avancé de traitement des liquides soit achevé, même si cela prend plusieurs décennies. TEPCO prévoit de rejeter 7800 tonnes d'eau traitée au cours du premier cycle de déversement qui devrait durer 17 jours. D'ici fin mars 2024, quelques 31 200 tonnes, 10 réservoirs d'eau devraient avoir été déversés. La société a déclaré que l'eau de mer et la vie marine seraient testées. L'industrie de la pêche est très préoccupée pour la manière dont cette décision pourrait affecter la réputation de ses produits et le gouvernement s'efforcera de protéger cette situation. Malgré cela, Hong Kong a déclaré qu'elle suspendrait les exportations de Fukushima et de 9 autres régions si le Japon mettait en œuvre son plan.
De même, la Chine a augmenté les tests de radioactivité sur les produits de la pêche japonaise. Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis.